Décédé en novembre 2020, Christophe Dominici a laissé derrière lui, Loretta Denaro, la mère de ses enfants. Cette dernière vient d'assigner en justice un homme politique bien connu et réclame plusieurs millions, comme le rapporte l'équipe. Si est une histoire qui a plongé le monde du rugby dans l'émoi. Le 24 novembre 2020, l'annonce du décès de Christophe Dominici, ancienne gloire du 15 de France et du Stade Français Paris, a créé la stupéfaction. Icône de son sport, l'ancien rugbyman est mort à seulement 48 ans dans des circonstances qui restent encore troubles. Retrouvé inanimé au parc de Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, après une chute d'une dizaine de mètres, difficile de connaître encore aujourd'hui les causes de son décès. L'enquête n'a pas permis de ne savoir plus les circonstances du drame et les analyses toxicologiques n'ont révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiants, ni de médicaments à dose élevée. Dans cette tragique histoire, Christophe Dominici laisse derrière lui une femme, Loretta Denaro, ainsi que deux filles Chiara et Maya. Une veuve forcément meurtrie par cette affaire, comme elle le racontait aux Parisiens en novembre 2022. Si est-il compliqué de parler de Christophe au passé? On est trois femmes seules à la maison sans leur roi. Il nous manque terriblement. Ce fut 2 ans difficiles. Il y a une vie avant et une vie après ce choc, expliquait-elle à l'époque. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette interview et visiblement, l'ancienne femme du rugbyman a encore des comptes à régler. D'après les informations du journal L'Équipe publiées ce mardi 6 juin en soirée, cette dernière a assigné en justice l'avocat Thierry Braillard. Ancien secrétaire d'État chargé des sports sous le gouvernement de François Hollande, Thierry Braillard est accusé par Loretta Denaro d'avoir mal conseillé Christophe Dominici au moment où ce dernier souhaitait investir dans un projet de rachat de Labezier Hero par des actionnaires Emiratis. Très impliqué, Christophe Dominici avait très mal vécu l'échec de ce projet dans lequel il avait fondé de très nombreux espoirs. J'attaque l'avocat en charge du dossier car lorsqu'on va voir un avocat, si est-il normalement pour être protégé, conseillé, et ce professionnel doit vérifier les actes, s'assurer de l'origine des fonds etc. Il n'y aurait pas eu de feuilleton biterrois et Christophe serait toujours parmi nous, explique la veuve du rugbyman à nos confrères. Qui réclamerait 3 millions d'euros dans cette affaire. De son côté, Thierry Braillard nie toute responsabilité dans cette affaire. Je ne vois pas à quel titre Madame Denaro peut faire jouer ma responsabilité civile professionnelle au nom de feu Christophe Dominici alors que je n'ai jamais été son avocat. Cela nuit à mon image et à ma réputation, assure-t-il. D'après les informations de l'équipe, une audience pourrait avoir lieu à l'automne prochain dans cette affaire.